המשנה היא אין משנה כלדי, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. כל שמעשה מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. סבדיר כסקיל קונט, איליה אה קילה בוקו בוקות חוכמות, אילה חכם, טרי סאז' קונה בוקות שוז, דקי טיפר, איתה די נו, ססה קומסה, ססה קומסה, ססה קומסה. סבדיר פילוסוף גוי, ספלי אריסטו. Il a essayé de, il a écrit les Sefer Amidot, les livres des traits de caractère. Il a fait un livre, Machu Tilit, il dit waouh, c'est Chokhma. Mais ils sont venus chez lui comme ça par hasard. Passé chez lui, ils ont trouvé, Hachem Mishmor, je ne vais même pas vous dire, qu'est-ce qu'il faisait, des choses terribles, terribles, terribles. Je ne vais pas, pas bien, pas bon du tout. Mamash Arayot, comme on dit. Alors on dit, c'est toi Aristo? Quoi, mais tu parles, tu as fait un livre. Il a dit, quel rapport, Aristo, quand je donne des artsa, quand je donne des conférences, et Aristo, quand je suis à la maison. Donc, qu'est-ce que la Torah, elle te dit? La Torah, elle te dit, tu es Adam, beveitra ou besetra. La Torah, elle te dit, tu sois un homme quand tu es chez toi, quand ta femme, comme ça, elle t'énerve, qu'est-ce que tu vas dire? Comme si tu vas être devant 1000 personnes, tu vas avoir quelle réaction? Tu dois être d'or à la maison, la même chose. Un homme doit être pile de l'iboshavim, le cœur et la bouche soient égales. Donc, ça nous amène à quoi? Que les actions et la sagesse soient égales. On est d'accord ou pas? Donc, si maintenant je connais beaucoup de choses, mais ça me ramène à se conduire opposé, donc ça ne sert à rien, parce qu'à 120 ans, quand un homme il arrive à 120 ans, on dit, « Ashrei misheba v'talmudo beyado. » Heureux celui-là qui vient, et Talmudo Beyado, on n'a pas dit or celui-là qu'il arrive, et sa Talmud elle est dans sa tête. Ils ont dit Beyado, c'est quoi Beyado? Concrètement, c'est dans les mains, on sort les choses à l'action. Donc si j'ai appris depuis je ne sais pas combien de temps, Baruch Hashem, qu'il faut faire une bonne repas à la maison, il ne faut pas crier, il faut laisser à l'autre exister, il faut laisser la place à l'autre, il faut donner dans les relations, on est là pour donner, on n'est pas là pour prendre. Si j'ai appris que moi et mon mari, on fait deux demi, ça veut dire, Chachamim il dit, le yom qui tu te maries, c'est le plus grand jour de ta vie, pas le jour de l'anniversaire. Et pourtant, les femmes, si tu ne lui fais pas l'anniversaire ou pas un cadeau, c'est tu as passé pour une semaine et donne la vie, elle se rappelle ça. Et pourtant, le jour de mariage, c'est le jour qu'il faut vraiment donner l'importance, même rappeler faire un anniversaire pour le jour de mariage. Pourquoi? Parce qu'avant le mariage, on était demi-neshama. Et depuis qu'on est marié, on est devenu un. Donc comme je vois mon mari, est-ce que depuis qu'on a pris ça dans les cours, est-ce qu'aujourd'hui quand tu vois ton mari, tu te dis, ah là, voilà mon demi, il est là-bas. Mais ça a l'air tout ridicule, quoi demi, moi je suis entier. Baruch Hashem, nakhon? Non, il faut savoir une chose. Dans les corps, c'est vrai, on est deux corps. C'est sûr qu'on est deux corps. Baruch Hashem qu'on est deux corps. Hashem, il a dit, l'auto va être Adam levado. C'est impossible que l'homme soit levado. Ça veut dire quoi, levado? Ok, il y a deux corps opposés, la terre et le ciel. D'accord? Mais la neshama, elle est un. Mais est-ce que quand tu vois ton mari, tu dis, voilà mon demi là-bas. Sans ces demi, je ne peux rien faire. Mais c'est vraiment comme ça. Maintenant, il y a des femmes tellement qu'ils en ont marre de leur mari, qu'ils ne veulent pas entendre ça. Dis-moi qu'il y a un espoir, que ce n'est pas lui, et Bezrat Hashem, il y aura une machou, que peut-être j'aurai une autre zivoug, et le deuxième, c'est les rêves. C'est ch'touillot dans la tête. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est prendre la metziout, la réalité, et dire, je ne vais pas voir la réalité, je vais rester dans mes rêves. D'accord? Mais il faut savoir c'est quoi le chibour, les connexions. Les vraies connexions, il vient avec une amal. Vous savez ce que c'est une amal? C'est une, hein? Des travail. Des Adam le amal yulad. Un homme doit se fatiguer. Pas souffrir, se fatiguer, investir non-stop. Non, le problème que nous, on a quoi? On vit dans un monde d'une génération d'efforts. On vit dans une génération qu'on a trop mis dans la tête qu'il faut sentir, il faut, je sais pas, il faut, aujourd'hui tu demandes à un couple, à un jeune couple qui va se marier, je sens rien, il faut que je sens les battements, il faut, je sais pas, quelque chose qu'il me dit c'est elle,
Mais la Torah, elle dit pas ça du tout. Yitzhak et Rivka, il a pris la Oel, mais d'abord il a pris, il a parlé avec elle, il a discuté, il a vu les midotes, il a vu qu'elle ressemble à sa mère. Plus tard, il l'a aimé. Donc aujourd'hui, le monde, qu'est-ce qu'il dit? D'abord, tu aimes, après tu apprends. Il n'y a pas aimer. C'est quoi aimer? C'est avec le temps, avec les connexions. Plus je connais mon mari, plus je donne, plus j'investis. Ou comment on aime quelqu'un? En donnant la personne. Et quand tu rates, tu reçois. Tu, au contraire, ça me chazek encore plus ton égoïsme. Donc on a dit, toujours dans les relations, je dois investir. Investir, l'amour, elle vient avec le temps. Tu découvres ton mari avec des années et des années, mais des investissements. Mais comme tout le monde, ils sont dans l'attente. J'attends qu'il m'amène la joie, j'attends qu'il me dise que je suis belle, que j'ai bien cuisiné. L'attends. On a dit, l'attends, il fait quoi? Je suis toujours en manque. Parce que même si l'autre, il te remplit, ça ne serait jamais au niveau que toi, tu attends. Ça fait que toujours tu es déçu. Mais si tu viens pour donner, j'attends rien de toi, moi je suis là pour donner. Toi aussi tu dois donner, c'est ton problème si tu ne donnes pas. Pourquoi? Si l'autre il ne donne pas, lui il va lui manquer quelque chose. Mais les couples, la femme et l'homme, c'est comme une puzzle. Un est là, il rentre dans l'autre. Donc l'homme il a quelque chose que la femme elle attend, et la femme elle a quelque chose que l'homme il attend. D'accord? Ça c'était les Agdama. Mais vous savez, le Chachamim il dit, la Torah elle dit, Kol ha-meta'er atzmo milemata, meta'arim atzmo meta'arim oto milemala. Donc, lo mishane maintenant comment tu vas prendre ta position. Tu es dans le chemin de s'améliorer, nakhon? Nous tous, on est dans le chemin de s'améliorer, nakhon? Donc moi je viens toute seule, je pense, qu'est-ce que j'aimerais bien s'améliorer. Donc, à partir de ce moment que toi tu veux t'améliorer, tu viens avec une pensée de pureté. De là-haut, meta'arim. Meta'arim, c'est en pluriel. Ça veut dire que du ciel, déjà, tu as un déclenchement des anges. Parce que tout ce qu'on arrive à faire, c'est des anges qu'on a créés ou par nos bonnes actions, par notre parole, par notre, qu'on a vu, par tout ce qu'on fait, la Mishnah a dit, Asa mitzvah, barakate, sanégor, d'accord? Asa avera, barakategor. Ça veut dire, quand tu fais une mitzvah, tu as créé quoi? Un sénégor, un malach, il est collé à toi. Un sénégor, c'est un malach. Cet malach, il est à côté de moi. On ne le voit pas, mais il nous aide. Imaginez-vous, un, deux, trois, plusieurs. Une personne va, il a des milliers de malachim avec lui. Chaz v'chalila, le côté que j'aime pas dire, mais il faut qu'on sache la vérité. Quand tu dis de la shonara, tu regardes tordu celui-là, tu dis ça, et tu fais des mauvaises choses, chalila. Tu as créé des paquets de catégories. D'accord? Donc à la fin, la Mishnah, elle dit quoi? Mitzvot de Maasim Tovim, Ketris Neged Aporanut. C'est comme un bouclier. Un bouclier contre toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver dans le monde. C'est quoi les boucliers? Les mitzvot et les sanégores que tu as fait. Donc c'est sûr que quand moi, je sors d'une shiur maintenant, d'une journée, que Hachem sait que tout ça ici, c'est vraiment pour que tout s'améliore, le Shem Shamaim Ta'or. Donc ça peut que rentrer chez toi, donc ça va te réveiller. Donc si ta attention, elle est pour grandir, tu as déclenché maintenant, c'est plus avec nous. L'affaire c'est toi, avec les malachim du ciel, que tu as déclenché à travers de ton bonne attention. Donc même si maintenant tu n'as pas encore trouvé ta position, tu vas la trouver, c'est certain. Ce n'est pas moi qui te dis, c'est la Torah de Shah qui le dit. Yagata ou Matsata Ta'amin. Où il y a une fatigue, où il y a un investissement, d'accord, pur et net, d'accord, tu trouves des résultats. Tôt ou tard, ça, on n'est pas là maintenant, vous savez, dans les Jeux Olympiques. Tu dois arriver à un tel point dans 1 minute 37 secondes. On n'est pas là, on a déclenché le chemin. Comprenez? Mais le rôle de la femme, il prend énormément, énormément de place. Il peut être dans les positifs comme il peut être dans les négatifs. Ici, on prend la place, mais dans les positifs. Tu prends la place, il n'y a pas de problème, prends autant de place que tu veux. Mais avec cette place, remonte tout le monde, tes enfants, ton mari, ta belle-mère, tout ce qui a un rapport avec ton mari. Remonte, pas, ah moi je suis madame X,
je suis intelligent, j'ai fait des études, nanana, regarde mon mari aujourd'hui, il est fichala totale. Non, c'est pas ça la chokhma. C'est la chokhma d'élever tout ce qui vient devant toi, tu l'élèves. Même un étranger, kal vachomer ton propre mari. Donc comment tu l'élèves? À travers des choses, des petites choses, c'est pas grand-chose. Quand il a ses affaires à lui, ses habits à lui, ils sont tip-top dans l'armoire, qu'il trouve ce qu'il a besoin. Qu'il rentre, il a une belle repas. Il y a une fille, elle me dit, non, je prépare à manger pour les enfants. D'accord, tes enfants, d'accord, mais ils mangent, les enfants. Tu as fait quoi? Pâte au beurre? Mais qu'est-ce que les enfants, ils mangent? Elle a dit, non, ils mangent comme mon mari, il mange comme les enfants. Donc c'est difficile. Alors maintenant, un mari gentil, une fois, deux fois, trois fois, même un an, il peut ne rien te dire, rien du tout. Parce qu'il est sadique. Mais attends un jour, qu'il va être dans une gala ou avec des amis, et il va entendre l'autre, sa femme, elle égorge un mouton, et l'autre, il lui fait ça, et l'autre, il fait ça. Les hâtes, ce qui se passe aujourd'hui, on vit dans une société avant, une femme, l'aube à l'aube, il sortait, il épuisait d'or. Le mari, qu'est-ce qu'il faisait? Il tranchait des bois. Le temps qu'il prend le café, la vie, le soleil couche, ils vont tous dormir. Aujourd'hui, téléphone, internet, magazine, radio, copines, les copines, waouh, les copines, c'est devenu, même si tu es au courant de rien, t'inquiète pas, tu vas tout être au courant. Tu vas être au courant de tout. Donc le mari aussi, il a des copains. Donc qu'est-ce qui se passe, comparaison? Une fille, elle m'a raconté, elle a investi pour Pessah une histoire véridique. Premièrement, et la personne que je vous dis, c'est une fille, j'aime bien l'écouter parce qu'elle elle est vraiment, ni le rajoute ni l'enlève. Elle me raconte qu'elle a investi pour Pessah, jamais dans sa vie, elle s'est donné, ils étaient au moins 20. Elle a invité qui? Les frères de son mari, et les belles filles, les belles sœurs, nanana. Ils étaient au moins une table magnifique, mais comme dans l'hôtel 5 étoiles, on pouvait m'enlever les photos. Quel repas, quel gdoucha, les bougies, les chacun, à col pour la fête. Excuse-moi, pas Pessah, Rosh Hashanah, Mechila. Elle m'a dit, tu ne peux pas savoir comment Satan il est venu d'une porte que jamais j'ai imaginée. Maintenant, elle m'a dit, tu sais comment je suis discrète. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Que j'ai mis les bagues, mon mari m'a offert une bague, que j'ai rêvé, ça fait 2 ans que je l'attends. Juste, il m'a amené au Rosh Hashanah. Alors je l'ai mis et j'ai dit à ma belle-sœur, regarde là-bas qu'il m'a acheté mon mari. Tu sais quoi? Parce qu'il me dit, ah, mazal tov, ma fille, sois contente pour moi, regarde-les. Ça fait une semaine que je travaille pour vous. Ah! Elle lui dit, tu vois, toi jamais tu fais un cadeau comme ça, hein? Et l'autre, Quoi? Ah, non. Je ne pouvais pas. Une histoire véridique. Elle m'a dit, ça passait comme un courant. Petit homme, elle se rappelait, ça fait 5 ans, depuis l'autre enfant, tu m'as rien acheté, et tu n'es pas capable. Et lui, je suis capable. Et lui dit, tu ne te rappelles pas que je t'ai acheté ça et ça? Une histoire, elle m'a dit, Hachem, je suis mort, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait de pas bien, mais les Rosh Hashanah, on fait les simanim. Elle a dit, il faut voir. À col, la pauvre, elle a mis un mois pour se remettre de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'on compare. Donc pourquoi je vous dis ça? Ah non, tu peux te dire rien du tout, ça va, t'as pas fait. Mais après, il dit, attends, je travaille, je suis comme ça, je ne mérite pas comme ça de rentrer, qu'une femme, elle m'accueille. Ah non, des fois, il dit, il est en déplacement. Chut, alors, s'il te plaît, il est en déplacement. C'est vrai que c'est pas évident, une fille, elle monte des fois avec les enfants, elle accouche, il dort, et le mari il rentre tard, elle n'a pas la... L'homme échané. C'est normal qu'un homme reste tout seul dans la cuisine après une journée de travail, qu'il était en déplacement après 2 jours. La femme a dit, non, j'avais plus la force de sortir de mon lit, j'étais dans mon lit tranquille, avec la télé ou je ne sais pas quoi. Et lui, il mange, mais bon, c'est pas... C'est pas grave, mais bon, la femme, elle travaille pas pour en plus. Ça veut dire que le mari, il ramène la parnassa, il fait beaucoup de choses. Et le ministre, il a rien dit, mais c'est juste quand il y a une cassure, il faut savoir qu'avant, il y avait une fissure. C'est quoi la fissure? Que le mari, il rentre une fois, deux fois. Il se trouve, il mange tout seul dans la cuisine. Bon, une fois, c'est pas grave, ma femme, elle est fatiguée. Pourquoi tu peux pas penser?
déjà qu'elle t'a fait à manger. Mais quand, une fois, deux fois, trois fois, après elle a mangé, c'est pas ça. Après il te manque ça, après il n'y a pas de communication. Après... Donc après il y arrive quoi? Que tu te dis, est-ce que vous comprenez aujourd'hui la vie qu'on vit? On est obligé non-stop, non-stop, non-stop de vérifier après nous. Est-ce que tout va comme il faut? Pas par rapport à ma copine, pas par rapport au film. Il faut d'abord enlever la télé. Je vous assure, la télé c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que jamais ton mari va être comme cet acteur et jamais ta femme va être comme cette actrice. Au contraire, eux ils mettent un kilo de poudre et ils sont toute la journée dans une gymnase pour être top. Et qui se lèvent le matin, ils ont déjà maquillé. Donc nous c'est. Donc pourquoi toute cette comparaison des magasins? Il faut sortir les hâtes, rentrer la pureté. On a dit c'est quoi la pureté? C'est chaque fois un petit peu. Chaque fois un petit peu. Tu fais Netilat Yadayim, tu as amené la pureté. Tu as touché tes chaussures, tu fais Netilat Yadayim. Tu as touché tes ongles, ta tête, tu as gratté l'odatma, Netilat Yadayim. Qu'est-ce que tu fais? Les hâtes là, tu renouvelles. Tout ton corps, il commence à être. Qu'est-ce que des puretés qu'elles rentrent? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu parles? C'est des choses simples de la vie qu'on sait, mais on a besoin non-stop de nous rappeler. Donc on commence par la cuisine, on commence par être pas quelqu'un, dès que le mari rentre, on l'attaque à l'attaque. Ah, tu sais, il faut payer, il faut faire, il faut si, il faut laisser. L'homme, il a besoin d'atterrir. C'est pas comme la femme. Vous avez dit, la femme, c'est une bombe. Elle peut rentrer, téléphone, elle nettoie, elle fait la cuisine. D'ailleurs ça, il y a beaucoup de... C'est pas tellement bien de faire 10 choses à la fois. C'est bien parce qu'on est comme ça, c'est une nature. Parce qu'on a l'impression qu'on perd le temps. Mais croyez-moi, moi de stress, quand je fais une chose. Pourquoi on a besoin, justement, on a besoin de parler au téléphone, et faire marcher ça, et sortir la machine, et faire une autre machine, et parler avec les enfants, rentre dans la douche, toi tu as fait tes devoirs, tu deviens, après, épuisé, énervé, parce que tu voulais gagner encore, allez, on va, qu'est-ce que tu vas gagner encore, une heure, allez, vas-y, tu vas gagner encore 2 heures, est-ce que ça vaut le coup? Avec le temps, tu regardes 5 ans après, les cheveux blancs, ils sortent. Et non, je rigole, non, c'est pas ça. C'est que on est. Moi, j'ai attendu plusieurs rabbinim, que je ne peux pas citer les noms parce que ça peut faire une. Mais il y a des avis partagés. Dans tout, on a des avis partagés. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas. C'est pas une question de partager ou pas. C'est chacun comment elles sont après faire l'expérience. Moi, je peux vous dire, faites l'expérience. Vous dites aujourd'hui. Je rentre, même si ça me reste ici, faire encore les machines et les fours et ça en même temps, mais je ne le fais pas. Non, c'est des nerfs, c'est des tu as envie de faire et tu te dis non, je vais voir une semaine comment quand je fais une chose, comment je suis. Quand je parle avec mon fils, je parle avec mon fils. Quand il me montre les dessins ou les devoirs ou il veut que je l'interroge, je fais que ça. Je ferme le téléphone, j'éteins le gaz parce qu'il y a le gaz. Ah, tu dis dans une minute, ça va bouillir, il faut que je baisse, il faut que je... C'est stress, mais tu sais, pourquoi? Parce que l'homme, il faut savoir qu'il y a de l'énergie. Quand quelqu'un t'appelle et tu lui dis, je te rappelle dans 5 minutes, qu'est-ce que tu as fait? Tu as ouvert une porte, cette porte maintenant, elle te prend de l'énergie. Tant que tu n'as pas appelé cette personne, tu n'as pas fermé les portes. Donc tu as fait quoi en attendant? Tu as sorti une énergie. Non, une personne par jour, par an, qui t'appelle, tu dis je l'appelle, ça va. Mais si c'est ton mari, ta belle-mère, ta copine, après, il y a une autre énergie. L'enfant, il vient avec qui il t'interroge. L'autre, elle est dans là-bas. Une autre énergie que tu as ouverte. L'autre, il faut faire une machine, il faut faire ci, il faut faire vite. Donc combien de fenêtres tu as ouvert d'énergie, tu es pompé non-stop, non-stop, non-stop. Mais si tu t'es dit, j'ouvre aucune chose, je fais chose par chose. Maintenant, c'est vrai? Attends, c'est vrai? Comment? Je vais te dire une chose. Attends, je vais te dire une chose. Tu prends un menuisier. Au début, il fait une chaise. Menuisier, ce qu'il fait les chaises? C'est une chaise, mais il a fait... Les plus grandes chaises, elles restent 10 ans. Ou 20 ans, non, plus que 20 ans. Magnifique. Elle est belle, elle est solide. Donc, une journée, il va faire une chaise.
Avec le temps, il va faire 2 par jour. Mais il devient tellement efficace, avec une rapidité, il va faire 5 par jour. Maintenant, au début, il était que sur la qualité, pas sur la quantité. Maintenant, il devient les hâtes, il fait bien les chaises, il fait aussi plusieurs chaises. Donc au début, c'est que la qualité, après que tu deviens espèce, tu deviens qualité, quantité. Donc c'est vrai que quand tu investis quelque chose, d'accord, quand tu laboures la terre et tu l'arroses et tu te fatigues, tu plantes. Chachamim il te dit, azorim bedim'a, berina iktsor. Ceux qu'ils plantent avec larmes, quoi larmes? Zera, c'est difficile, même le mot zera c'est zera. C'est mal. Au début, quand tu plantes, c'est difficile. C'est mettre en place les relations avec ton mari. Première année, c'est difficile. Les enfants, c'est pas évident. La vie, apprendre la cuisine, faire des sports, devenir une religieuse, être en forme de ton corps, c'est difficile parce que tu plantes. Mais une fois que tu as planté, quand ça pousse, tu vas pour récolter. Besimcha iktsoru. Besimcha, avec la joie, ils vont accueillir tout ce qu'ils ont planté avec l'âme. Est-ce que tu comprends? Donc peut-être au début on va dormir tard. Comme si ou comme ça on dort tard. D'accord? Mais des fois on dort tard parce que, pas toi mamie, mais parce qu'on tourne les chaînes. D'accord? Ou des ch'touyot. Ta-ta-ta, l'autre il a dit, l'autre il a dit. C'est ch'touyot. Mais au moins si je dors tard, parce que j'ai investi sur le petit bamba, c'est quelque chose qui m'amène à moi. Une grande chose. Vous me dites si le rabbi arrive, d'accord? Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas grave, mais tu vois, avec le temps, Bezrat Hashem, on arrive qualité, quantité. Qualité, quantité. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres choses ou des questions ou des choses qu'on peut remarquer? Donc, ce soir, on fait tous les pas. Hein. Faut savoir que tout se passe autour de la table, les enfants, c'est le seul maman, pas téléphone, rien, on mange, on discute, même si tu fais un œuf, mais fais-le avec l'amour. Vous vous souvenez, on a dit que les caractères des mamans, on peut les voir à travers des manger. Vous savez que Chachamim, je vous avais dit, des fois la pâte, elle ne monte pas quand la femme elle est nida. À tel point, on est tous spirituels. Est-ce que vous comprenez? Le monde, il est beaucoup plus spirituel de ce que nous, on s'imagine. Nous, on croit que tout ce matériel, et de temps en temps, quand je vais à la choule, quand comme ça, Rosh Hashanah et l'autre, chacun sent la spiritualité à son niveau. Mais quelqu'un qui est collé à Hachem, il voit la spiritualité partout. Tu vois Kadosh Baruch Hu quand tu vois les gens. Tu vois les gens, à travers des gens, tu vois Hachem. Quand tu vois un oiseau, quand tu vois les fleurs, quand tu vois la nature, il faut qu'on voit Hachem partout. Donc tu comprends que ta maison, c'est Beth Amikdash. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu fais à manger, tu donnes des chokhmah à tes enfants, tu passes d'amour à tes enfants, à ton mari, des amours, des bonnes pensées. Vous savez combien de choses tu fais passer à travers des manger, même si tu ne parles pas. Ne parle pas, va à manger, va dormir. À la limite, tu exagères. Rak de ta main, quand tu poses bien, tout passe. Et l'homme échané maintenant, si tu as égorgé une cheval, maintenant, un chef, pardon. C'est absolument, t'as fait une omelette. Une omelette, qu'est-ce que c'est une omelette? À peine t'as regardé, elle est prête. Même ça, mets d'amour dedans. Tu vas voir au fur et à mesure comment il y a une kesher, il y a un contact. Et on a dit, le contact, c'est à travers d'une amal. C'est une fatigue. J'ai investi. Il n'y a rien qui se passe comme ça. Dans ce monde, les gens, ils attendent les coups de foudre. Mais qu'est-ce que ça, c'est ta ava? Ta'ava, bien sûr, c'est une attirance entre femelle et mâle, c'est même dans la nature. Mais si tu veux un vrai amour, l'amour, c'est avec le temps, avec les années. Les années, je donne, j'investis. Même l'autre, même si c'est un mur, il va fondre. Est-ce que vous comprenez? Même si ton mari, il est dur, tu dis quoi? C'est toujours moi qui donne. C'est pas grave, continue, altidagi. Arachapain, les traits de caractère comme Hachem. Kadosh Baruch Hu, comment il est? Sefer Tomer Dvora. On lui fait du mal, on lui fait du bien, il a des patientes, il est miséricorde, il attend. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans ce monde, quand on lui fait du mal, il fait du bien? C'est rare de trouver une personne comme ça.
Si vous connaissez, il est arrivé à un niveau très haut. Tu le fais de mal, il te rend du bien. La plupart des temps, que quand tu le fais du bien, tu fais du bien. Et encore, des fois, non. La plupart des temps, tu fais du bien, tu reçois des pierres. Mais l'homme est chané, mais quelqu'un qui reçoit des pierres, il te donne encore des diamants, c'est rare. Donc, je vous assure que vous allez voir. Chachamim, il nous dit, continue, investis, donne, tu verras. Im eveni ni mor. Même si c'est une pierre, il devient rien. Ça veut dire que avec le temps, ne soyez pas dans l'attente de recevoir quelque chose. Soyez dans les. Moi, je donne. J'ai investi. La maison, une bonne ambiance, toujours l'odeur. C'est pas grave si tu as fait toute la semaine, un jour, t'as pas réussi à gérer tes pensées et être besimcha. Ça peut arriver. Normalement, on peut toute la journée être comme un puits et de prendre de l'eau et de se remplir. Si on est bien attaché à Kadosh Baruch Hu, à ses Avodat Hashem, aux Midot, aux traits de caractère, on travaille, on est dans le mouvement. Disons qu'une fois, tu n'as rien fait. C'est pas grave. Les autres jours que tu as fait, ils sont encore dans l'ambiance. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, le devoir, c'est faire du pain. Vous avez dit que Paro, il croyait que Yosef, c'est un sorcier. Il disait, toi, je ne sais pas, tu me fais, t'es un sorcier, toi. Il lui dit, pourquoi? Parce qu'il lui dit, toute la journée, avec qui tu parles? Parce que le Paro Goy, il voit Yosef, Tzadik, Kodashim, il ne voit pas avec qui il parle. Mais Yosef, il parlait avec Hachem toute la journée. Que Hachem aide-moi, que je fais une bonté à cette Paro, aide-moi pour faire ça, que je réussis ça, que je fais ça, mais non quoi? Chaque pas que tu fais, tu parles avec Hachem. Si tu crois vraiment qu'il y a Hachem dans ta vie, pourquoi tu ne lui parles pas? Qui a posé la question? Si vraiment il y a des gens, ah Hachem, tu l'entends, comme il parle d'Hachem, tu dis c'est là, je ne sais pas, c'est pas peut-être Rachel humaine ou à côté de moi. Mais pas du tout, dans les cœurs, c'est un dibourim. Si vraiment tu crois que Kadosh Baruch Hu, il est dans ta vie, rentre-le dans ta vie, même pour faire une omelette. Ça a l'air quoi? Je vais déranger Melech, Malchéa, Melachim, qu'il a créé l'océan et la terre, et toute la Yikoum et les Malachim, ils chantent pour lui. Moi, je vais l'appeler Hachem, aide-moi à réussir une omelette. Vous allez être étonné. Kama Chachamim, il nous parle de ça. Kadosh Baruch Hu mit'ave les tfilatav chez tzadikim. Akadosh Baruch Hu, des fois, il donne un blocage à une personne. Comme Sarah, Rivka, la mère de tout Am Israël, de là, tout Am Israël doit sortir, elle est stérile. Où on a vu une chose pareille? Dis-moi que sa fille, à la limite, ou plusieurs générations, mais pas la mère de tout Am Israël, elle est stérile. Comment ça se fait? Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. De toi. Déclenche. Ouvre ce blocage que tu as. Que Hachem, tu les mets en certaines catégories, tes betzimtzum comme ça. Laisse aucune limite. Parle avec Hachem dans ton langage. On ne t'a pas pris pour un sidour. Le sidour, c'est une tfila, c'est autre chose. Parle avec Hachem. Toute la journée, parle avec Hachem. Que ce soit dans ton cœur, avec ta bouche, ce n'est pas une maladie. Les Bekoubalim, ils parlent de ça non-stop, non-stop. La Rizal, ils ne parlent que de ça. Il faut parler avec Hachem, exactement. C'est pour ça, notre grand-mère, ils connaissaient même pas une pasouk, ils avaient une émouna collée à Hachem. Nous, on connaît toute la chasse, on n'arrivait même pas à parler avec Hachem. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé dans une génération de chokhma. Donc, qu'est-ce qu'on a dit au début des cours? Kol shechokhmato merouba memaasav, en chokhmato mitkayemet, même ta chokhma. Si elle est plus grande que tes actions, elle veut zéro. Mais si tes actions sont plus grandes que ta chokhma, tu as pris une chose, tu les mets en pratique, tu as la même chose. Ça veut dire qu'il y a une action dans ta vie. Tac, 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 tu mets tout en place. Même ta chokhma, ce que tu as pris, c'est classé dans la mémoire. Ça ne va pas bouger. Est-ce que vous comprenez? Donc on essaye de mettre en pratique les choses. C'est ça le but de cette journée. C'est ça le but de tout ce que vous allez étudier. Qu'est-ce qui se passe quand un homme, après il se sent fatigué, et même le rav ou la rabbanite, ou l'homme échané qui c'est qu'il parle, il énerve, il dit, oh ça va, j'ai attendu de voir déjà mille fois ce qu'elle dit. C'est pas vrai. Tu sais pourquoi tu entends mille fois? Parce que tu n'as jamais mis ce qu'elle dit. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous comprenez, il y a une ashgacha dans ce monde, à la millimètre près, qu'Akadosh Baruch Hu ne te fait jamais ni sentir, ni voir, ni écouter quelque chose,
s'il n'est pas valable pour toi. Est-ce que vous comprenez? Bah, par hasard, tu es là et tu n'es pas ailleurs. Par rapport, tu vois une chose et l'autre, elle ne voit pas. Comment ça se fait? Comprenez que l'ashgacha, la présence, comment on dit l'ashgacha, la providence divine, elle est à la millimètre près, mamash bediyuk mouchlat. Donc il n'y a pas d'hasard chez nous, ça n'existait pas, le mot mikré. Chaque mikré, il est rak mehachem. Les lettres mikré, c'est rak mehachem. Tout, calculé par Akadosh Baruch Hu, qui tu vois, qui tu entends, pourquoi tu crois cela et pas celui-là, est-ce que vous comprenez? Donc tout est à la millimètre. Est-ce qu'il faut que nous on prend les choses, on grandit avec l'autre, c'est qu'on ramène nos chokhma à nos actions. C'est... Non. Est-ce que vous avez des questions? Vous me dites s'il arrive les rêves. Est-ce que vous avez des questions? Ou pas des questions, des choses qu'on peut rajouter encore 2-3 minutes. Il y a une gmara qui un tzadik, il dit, j'ai vu une grenouille dans une taille de 60 maisons. Énorme. Après, il y a un serpent qui avale cette grenouille. Après, il y a un corbeau qui vient, qui avale cette serpent, qui a avalé la grenouille. Après, qu'est-ce qu'il dit? Si j'étais pas là-bas pour voir, jamais j'aurais cru. Tu dis quel serpent? C'est les grenouilles et que les corbeaux. Les grenouilles, elles symbolisent Messirut Nefesh. Donne des soirs, d'aller jusqu'au bout pour quelque chose que tu as pris sur toi. Maintenant, quand toi tu te dis, je vais jusqu'au bout, ça et je sors d'ici, je vais X, Y, Z, je l'ai fait, waouh, c'est flamme. Qui c'est qui se réveille? Les Nachash. Les Nachash, il peut t'avaler, même si tu as une Messirut Nefesh, des 60 maisons. C'est quoi 60 maisons? C'est 60 forces humaines, 60 kochot nefesh, comme on dit kochot nefesh. Force qu'on a à l'intérieur de nous, chaque homme, il a 60. Donc cette Nachash peut t'avaler, même si tu es le plus grand tzadek du monde, que tu dis, je vais faire Messirut Nefesh sur la chose. Il peut t'avaler. Mais les corbeaux peuvent éviter tout ça. Même s'il t'avale les corbeaux, hop, il avale même les Nachash. C'est quoi les corbeaux? Hachem, quand il nous a créé, chacun de nous, il a pris un petit peu de tout, les animaux. On a les chameaux, on a les serpents, on a les ailes, on a les gazelles, on a tous les animaux. Simplement, c'est une chokhma, c'est une sagesse de savoir quand j'utilise un petit chèvre ou quand j'utilise les corbeaux. Le corbeau, il est quoi? Il est très cruel. Les corbeaux, ils donnent pain à ses bébés à manger parce qu'ils sont nés, ils sont jeunes. Lui, il est noir, il dit, c'est pas mes enfants. Hachem m'amtsi lahem, Hachem il crée comme des petites mouches et avec ça il vit. Les corbeaux, il a une fois dans toute l'histoire qu'il était Rahman, qu'il était miséricorde, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est quoi être corbeau? C'est que la plupart des temps, les Sarah ils nous en vont. Ah, t'es fatigué. Non, c'est pas grave ma chérie. T'es déjà tzadek, qu'est-ce que tu as besoin de rajouter la tzniout? Et pourquoi tu veux faire plus que tout le monde, couvrir la tête? Et pourquoi tu as besoin de donner la tzedaka? Et quitte-toi de tes enfants. Ne fais pas ça à ton mari. Regarde comment il t'a fait dimanche, il t'a pas fait. Ne le fais pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une fille, elle est sortie des cours le soir. Quand elle est venue au cours, je ne sais pas comme ça, elle a dit elle n'était pas bien avec son mari. Toute une histoire, je ne vais pas détailler. Et Bassof, elle est arrivée chez elle, elle ne sait pas ce qu'il y a pris, les cours, c'est chaque cours qu'on va, n'importe lequel, ça te donne. Donc elle sort, elle dit, je vais faire ta. Elle est arrivée chez elle, elle a senti, si moi j'ai traduit ça comme ça, elle a sorti les Nachash, comment il va pour l'avaler, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait corbe sur elle. Ça veut dire, elle était, comment on dit, cruelle sur l'idée, non, je ne vais rien entendre. Il m'a fait, il ne m'a pas fait, tout ça c'est vrai. Mais moi, je vais utiliser une miséricorde supplémentaire pour arriver à faire le shalom chez moi. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas pu, les Nachash, il était avalé par le corbeau. Et comment elle finit cette gemara? Que cette corbeau, Bassof, il s'assoit sur un arbre, tranquille. Et Tzraïm, il a marzekim, c'est quoi l'arbre? La Torah, l'arbre des vies. À qui elle donne la vie? C'est là qui l'attache à elle. Vous savez, Hachem il dit, je t'ai donné la vie et la mort, tu choisiras la vie. Moi je t'ai créé. Rachid dit, c'est comme si un père, il dit à son fils, tu vois tout ça, c'est un champ, c'est pour toi, mais tu vois cette partie-là. C'est comme, je te prends, je te dis, tu vois ça, investis ici.
labour ici cette terre, ici elle va donner des vies. Hachem te dit, je te donne la vie et l'amour parce que tu es obligé d'avoir une prière dans ce monde. Mais comme je te connais, je sais ce qu'il est bien pour toi. Choisis la vie. C'est quoi la vie? Être attaché non-stop, non-stop, non-stop à la Torah. Qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Toute la Torah, ton mari est dans la Torah, tes enfants, chaque lettre que vous ouvrez les Sefer Torah, chaque lettre, c'est une guérison pour ta neshama. Chaque lettre de la Torah, c'est une lumière qu'elle te pénètre en toi. Elle te sort de toi, le bien ou le mal qu'il faut que tu travailles. Est-ce que vous comprenez? Donc les gens qui veulent grandir et attachés à la vie, il faut qu'ils s'attachent à la Torah. S'ils n'attachent pas à la Torah, c'est sûr qu'ils sont morts. Morts, physiquement, ils sont vivants, mais ils sont tristes, ils ont la peur. Ils ont toujours la rasra, toujours ils s'inquiètent pour demain. Quand tu t'attaches à Hachem, mais vrai attachement, parce qu'il y a des gens qui sont attachés, mais ils sont angoissants, ils sont toujours pas viables. Pourquoi? Parce qu'il y a attaché et il y a attaché. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un autre sujet. Mais il faut être attaché dans une manière spécifique à Kadosh Baruch Hu. C'est pas stam attaché. Quelqu'un est, qu'il est toute la journée, il fait que de la shonara. Mais il a une barbe, il a un chapeau, il donne la tzedaka, il est chazan, est-ce que tu veux? Mais dans sa tête, il met quatre règles sur la terre entière. Il a beaucoup de mauvais traits de caractère qu'il sort. Donc, il, soi-disant, il est attaché. Mais à l'intérieur de lui, il n'a pas travaillé son intériorité. Est-ce que vous comprenez? Donc, attaché, c'est tout mon monde du corps, tout moi-même, je m'attache à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que je m'annule face à la volonté d'un.